Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de Boruto. Je sais que certains pourront dire oui, Boruto, c'est pour les gamins, c'est nul, tout ça. Et je comprends si en tout cas vous regardez les HS qui sont absolument merdiques. Mais ça, c'est toujours les HS, hein. Les HS, forcément, ça fait pas avancer l'histoire. Il n'y a pas cette réflexion-là, donc c'est de la merde généralement. Après Boruto, moi j'aime bien la partie avec Kara, avec Ichiki, tout ça, le combat avec Naruto, Sasuke. Sasuke qui est quand même badass à chaque fois qu'il fait chier tout ça. Hein, Kaidi et saleté d'Uchiwa avec ton Rinnegan, tu nous casses les couilles. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant. En plus, bon, de voir Naruto en tant qu'Hokage, il y a toujours un petit côté à la fois nostalgique, c'est sûr, mais à la fois un côté où finalement tu remarques qu'il est quand même resté un peu pareil sur des points et ça fait plaisir. Donc là, épisode 282, bon, qui est encore dans les HS, hein. Mais encore sur HS, il était un peu bien, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu la partie où visiblement ils sont coincés dans la chambre et tout ça, et visiblement ce serait un rêve. Bon, voilà, c'est les HS, donc quelque part, ça compte pas vraiment. Mais en tout cas, l'épisode 282. Alors ici, on vous dit qu'il sera diffusé le 2. Alors là, c'est quoi? Déjà, le premier, le 2-01. 2-01, ça veut dire le 2. Si j'y crois, le février. Février, voilà, le 2 février. Le 1er février. Mais ça, on s'en fiche. Parce que là, ce qui compte, c'est quand c'est en anglais. Parce que malheureusement, en anglais, ou voilà, parce que si vous n'êtes pas amoureux ou que vous savez pas lire la langue de Shakespeare, ben généralement, vous aurez moins d'infos. C'est comme ça. Donc là, ils expliquent Boruto, épisode 282. Et les 2 spoilers, release date and time, countdown, where to watch and more. Bon, là, ils expliquent. Ils expliquent qu'il y a ça, donc voilà. Et surtout le countdown, donc 13 jours. Sachant qu'aujourd'hui, on est le 25. On est le 25 décembre 2022. Donc, il se passe que c'est dans 2 semaines, quoi. Donc, la semaine prochaine, il sortira pas. Donc là, ils expliquent. Hein, ils disent que c'est le 8 janvier 2023. Et ce sera Sasuke Uchiha infiltration. Donc là, en plus de... C'est bien parce que c'est le... Ouais, moi, je crois que ça serait la continuité de trucs. Là, pas du tout. C'est un épisode centré sur Sasuke. Ils vont peut-être parler, voilà, ils montrent Sasuke avec Sakura, le fait qu'ils aient infiltré des choses, tout ça. Je crois que c'était l'adaptation peut-être du roman un peu qu'il y avait eu pour montrer un peu comment Sasuke avait évolué. C'est-à-dire il est passé du emo au emo, mais quand même, on va dire, voilà, qui quand même aide le village de Konoha, qui fait le taf et un peu qui fait ce que Itachi faisait, quoi. Sans forcément être considéré comme un renégat, quoi, dans tous les sens du terme. Donc voilà. Donc là, voilà, ça va être intéressant. De Labyrinth Game Arc will come to a close. Voilà. Donc je pense que voilà, ils vont terminer peut-être avec la partie du labyrinthe, la partie avec Boruto et tout ça, et que là, ils vont commencer les choses. Donc là, voilà. Donc là, ils mettent 9 jours, mais pourquoi ils mettent 9 jours? If the counter is stop. Donc voilà. Donc, mais ce sera 13 jours, hein, ce sera comme c'est écrit, hein, ici. Ce sera là. Donc voilà, donc faut se rappeler que la semaine prochaine, c'est-à-dire que le 1er janvier 2023, Boruto, l'épisode 282, ne sera pas diffusé. Donc c'est pas la peine de l'attendre et c'est surtout pas la peine de voir des escrocs qui vont essayer de vous mettre l'épisode et tout ça. Ils vont faire le mix, ils vont faire la magie, vous allez croire que c'est le nouveau, mais non, c'est une escroquerie bien évidemment. Donc là, voilà, moi je fais la vidéo, c'est pour vous informer de la sortie de l'épisode 282 de Boruto. Donc voilà, si la vidéo elle vous a rendu service, pensez à vous abonner. À commenter, à liker, ça rend service, ça aide à faire grandir la chaîne, ça motive, ça permet aux autres d'avoir les bonnes infos. Donc voilà, je termine la vidéo ici, c'était Moïdra. Je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode ou une prochaine vidéo, en tout cas sur le thème des mangas et des animés.